Comme chaque mercredi soir, la salle de cours de Bruno Mattei est pleine. 300 adultes sont inscrits dans son club de boxe. Mais avec l'implantation d'une nouvelle salle de fitness à quelques mètres de là, il craint des conséquences économiques directes sur son activité. Ce club-là, en gros, il ne sera pas fédéré, donc il n'aura pas de fédération. Et il va forcément nous prendre des gens du loisir qui affaibliront donc nos finances et nos investissements futurs. C'est de l'ubérisation de notre sport. Voilà, et c'est pour ça qu'on est contre. Le projet qu'il dénonce, c'est l'implantation d'une salle low-cost dédiée au sport de combat sur ce terrain, dans la zone industrielle de Baleone. Le secteur est porteur. En Corse, on recense 1000 licenciés, répartis dans 15 clubs. Pour la Ligue Corse de kickboxing et Muay Thai, ces structures risquent de dénaturer leur sport. Les jeunes qui iront dans ces salles-là, peut-être qu'ils n'auront pas les valeurs que nous on peut donner aux jeunes. Le respect, la discipline, le dépassement de soi-même. Je ne sais pas s'ils pourront fournir ça. Les jeunes, ils vont aller là-bas pour se faire plaisir en dilettante, mais ils vont négliger un sport. Pourtant, le public visé par les clubs et les salles de sport n'est pas le même. Ces dernières entendent participer à l'augmentation des adhérents en mettant en lumière des disciplines souvent méconnues. Plus il y a d'acteurs de fitness, plus on met des gens au sport. Et là, ça va être la même chose. C'est-à-dire que plus on va booster les sports de combat, plus ça va démocratiser les sports de combat. Faut pas voir ça comme quelque chose qui va cannibaliser, mais plutôt qui est complémentaire. On n'est pas du tout on n'est pas en concurrence. Les clubs vont devoir s'adapter à l'évolution des pratiques sportives. La nouvelle salle, elle, ouvrira ses portes début décembre.